Salut à vous, chers internautes et super supporters des éléphants, toujours en train de booster les éléphants à la victoire. Aujourd'hui, troisième match de la Côte d'Ivoire qui se jouera contre le Cameroun, un adversaire redoutable. Franchement, je vais vraiment. La preuve en arrière, gagner 2-0. Ma race est qualifiée pour la coupe. Franchement, la santé de Thomas, ça nous manque. Rien ne peut nous arriver, ce qu'on a qu'on a activé par 3 bio, Yassamano, Yassamano.
mentalement, on était prêt pour affronter ce match. Et Dieu merci, on mène par un but à la mi-temps. Donc on espère que à la deuxième mi-temps, les choses vont s'améliorer. Et les joueurs sont prêts psychologiquement pour entamer la deuxième mi-temps. Et j'espère qu'on va gagner ce match. S'il plaît à Dieu. Oui, les éléphants, c'est que moi je vois les éléphants bien jouer et je sais qu'ils vont bien gagner ce match. Ici, il reste deux amis déjà à Touré. Ils vont bien gagner ce match. Je suis fier des éléphants ce soir. C'est le meilleur match de la carte qui vient de commencer. Merci. Depuis assez haut, pour pas du voir, depuis la canne a commencé, j'ai espéré, j'ai dit la canne ne vient en Côte d'Ivoire. Ça moi mais ce qu'on a dit, la canne ne vient en Côte d'Ivoire. Avant de remporter cette canne, il reste encore deux buts de cas. Avant qu'un Cameroun s'y avant de gagner. Bon, le jeu d'éléphant a été très correct. Ça me plaît, j'espère qu'on va mettre encore un deuxième but. Combien de buts? Combien de buts tu penses que les éléphants ont gagné? Combien de buts? Trois buts. Mal, ok, toi je l'avais mené sans prêt. Ça va gagner, ok. C'est rien de ma mine, c'est rien de mon mamita. Ça va gagner 3-0. Ça va gagner la main. Les éléphants, battez-nous là-bas. Les éléphants, battez-nous là-bas. Les éléphants, battez-nous là, les éléphants. Et les valets, ils veulent yo. On est toujours calé avec vous. Si vous voulez la même chose, on s'en fout. Allez, allez, là, 3-0. Mets-nous quelque chose aussi. Parce que c'est pas les enfants, hein. C'est les joueurs, ils savent ce qu'ils font. Ils sont conscients, ils savent que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués des éléphants. Ils savent qu'on a supporté la Coupe d'Afrique en 2013. En 2013, ouais. On a supporté
La Coupe du Monde, ils n'ont rien fait, on est fatigué. Ils savent qu'ils doivent faire quelque chose pour l'Espagne. S'ils veulent une réconciliation entre éléphants et supporters, nous rappelons la Coupe. Et voilà la fin du match. Nous sommes très contents. C'est l'euphorie ici, c'est l'ambiance ici. Tout ce qu'on attendait de ces éléphants, c'est une place de choix dans les quarts de finale. Et c'est ce que ces éléphants-là, c'est ce que ces Ivoiriens-là viennent de nous donner. Ici, c'est la fête, ici, c'est l'ambiance totale. Nous sommes très heureux parce qu'il y a des années qu'on attendait cela. Et aujourd'hui, les éléphants nous offrent cette place en quart de finale. Merci à vous. Allez les éléphants, nous vous soutiendrons tous les jours. Wow, merci à tous, au revoir. Oui, bonsoir les Ivoiriens, content, très heureux, Dieu merci, bravo les gars, bravo, on sera toujours derrière vous, pas qu'il passe, merci. Demi-finale, on va la coupe, on va gagner demi-finale, on va gagner finale, gagner finale, on va gagner jusqu'à, on va gagner, on va prendre la coupe 2015. Les Camerounais, c'est la Côte d'Ivoire, ils ont qu'à dégager. Ils ont gagné 1-0, nous avec 4-1. Si qu'ils arrivent plus, je vais battre la Côte d'Ivoire. On marque la Côte d'Ivoire a très bien joué. On est très bien content. Basse Gradel a très bien joué. Toute l'équipe même a très bien joué. On est fiers des Ivoiriens. On donne la gueule à Cameroun. Cameroun n'a rien de ça, c'est le quoi. Je suis très très content parce que la Côte d'Ivoire a gagné. Donc, bon, ici content. Regardez, je remercie vraiment les éléphants pour ce qu'ils ont fait tout à l'heure. Vraiment, j'ai apprécié. Je remercie le Seigneur, quoi. C'est la première fois qu'on gagne le Cameroun. Vraiment, je suis fier de ça. Je suis fier des éléphants. Ok, la Côte d'Ivoire a gagné, ça nous fait plaisir. Mais devant Dieu, normalement, on ne les faisait pas confiance. La Côte d'Ivoire a gagné, ça nous fait plaisir. Mais normalement, devant Dieu, on ne faisait pas confiance. Ok, l'aventure continue. Mais peu importe, eux, ils le savent. Actuellement, on est dessus d'eux. Qui ne sait pas de nous épater. Voilà, sinon c'est notre pays, c'est notre drapeau. Toujours est-il qu'on va les supporter. Mais ça dépend. On est déjà découragé. Mais à eux, maintenant, de nous convaincre. Je finis par nous.